Allez, mon ami Tony. Alors, qu'est-ce qui te fait plaisir? Tu vois, tu sais, je fais tout pour toi. Je sais, Jenny, je sais. Regarde-moi ça. Ma dernière recrue. Une bombe. Tu la regardes et tu jouis. Si tu veux, tu peux passer la nuit avec elle. Pour l'instant, il faudrait 150 grammes de poudre. Ouais. Et pas ta saloperie coupée à la cible Samar. Non, de la pure. J'insiste. Tony. Tony, tu me prends pour qui, là? Pour quelqu'un sur qui je peux compter. Ah ben voilà. Allez, viens. Tu sais pourquoi t'as coulé un bateau, toi? T'attendais à quoi, mon ami? Tu passes ta vie à baiser les autres et quand ça t'arrive, tu dis pouce, ça joue plus. Si tu voulais des règles, il fallait rentrer dans la gendarmerie. Certainement pas dans les services secrets. Je m'étonne que t'aies raté ma bacom. Dans toi, je t'ai laissé gagner, là, non? Attends, sujet de ma bacom, je t'ai dit, j'ai une excuse objective. Le mec de Brad Williamson... Tu crois que je te paye pour te planter dès qu'il y a une raison objective de se planter? Non, mais... Non, parce qu'il y a toujours des raisons objectives de se planter. Bien sûr, ma bacom, c'était pas facile. Hein, mais un mec confiant, tu vois, un mec sûr de lui. Un mec comme Jean-Claude, tiens. Un mec qui se laisse pas berner par la moindre illusion de difficulté. Un mec comme ça, il aurait pu boucler le deal. Toi, t'avais aucune chance. Tu sais pourquoi? Parce que ça se sent. Ça se sent quand le mec, il voit qu'il va pas y arriver. Mais à Lose, ça pue, Alexandre. Y a rien qui schlingue plus que la propension à l'échec. Toi, t'en pèses les confitures. T'avais jamais dit non. Tu vas quand même pas me faire un procès, alors que je viens de te sauver la vie, là. Tu vas te ridiculiser devant la cour. C'est tout ce que tu vas réussir à faire. Et si je te fracasse le crâne contre le rocher, là, hein? On atterrit ici, tu te connais la tête, accidentellement, j'ai rien pu faire. Quoi de plausible, hein? Quoi de plausible? Tu ne ferais pas ça. Tu vas me lâcher. Et on va redescendre. Qui me soupçonnerait, hein? Qui? Je viens de te sauver la vie, là. C'est pas mal à l'ébis, ça, hein? Prise de club. Bonne distance. Regardez l'objectif. Bien enraciné dans le sol, je sors un peu mon cul. Je lève lentement. Yeah. Tu m'écoutes, là? Ouais, pardon, excuse-moi. T'es où, Jean, là? Loin. T'as payé des filles? Comment? T'as payé une fille? Non, mais ça se passe pas vraiment comme ça. Ça se passe comment? Ah, t'as déjà offert des fleurs? Ouais. Bah là, tu offres pas des fleurs. Tu donnes l'argent des fleurs, et la fille... Qu'est-ce qu'elle veut avec? Tu comprends? Non, je comprends pas. Baby, I'm in a shit. Why? No more money, baby. How much you want? No, thank you. No, keep your money. We go back Pattaya, okay? So, ladies, listen to me, please. I have to explain to you. You have to respect the rules, okay? Okay. So, first, this place is not a go-go bar, bar dancing, bar beer. No. This place is a very beautiful and a very peaceful place for meeting men, French men, phalanxé. Second, no sex in this place. Third, don't ask for money, because men are not customers. Okay? Fourth, men come to find a wife. And you to find husband. Maybe to get married. Okay? And fifth, you have to change everything. Yeah? Your clothes, your hair, your makeup, because I want
body style. Yes. Kochai? Kochai. Kapun makrab. Je savais pas que t'avais des enfants. Si, si, j'en ai. T'en as combien? Deux. Garçon ou fille? Deux garçons. Il va être content de te voir. Ah, je peux plus. Accroche-toi. Oui. Carole, prends la petite et pars avec elle. Sans moi, vous avez une chance. Carole, je n'irai pas bien loin. Allez, viens. Non, discute pas. Prends la petite et pars avec elle. Allez, pars-toi, bordel. Allez, et mêle-toi. Un brillard. Elle est mignonne, non? Bon, écoutez, maître, ça suffit. Je vous signale que vous êtes en train d'aider... Interrompez-moi encore une fois et cette chaîne pissera sur votre carrière. Vous avez établi l'heure définitive de la mort de Charlotte Berthaud à 22h45. On est d'accord? À une demi-heure près, oui. Cette chaîne prouve que Beck n'est pas coupable. Hier soir, il était chez Medianet, où il a loué un ordinateur entre 22h36 et 23h13, selon leur registre de facturation. Il est arrivé avec sa chaîne, on lui a demandé de la laisser dehors. Voici deux dépositions de témoins qui l'ont formellement identifié. En admettant que cet alibi soit confirmé... Ne vous inquiétez pas, il le sera. En admettant qu'il le soit. Il reste un petit problème. L'arme du crime, on l'a retrouvée chez lui. Effectivement. Sauf que le vent a tourné et que ça devient votre problème. Je peux toujours expliquer que vos hommes sont allés chez mon client sans ordre de votre part pour y déposer des pièces à conviction. Au pire, on vous prendra pour un lâche, au mieux pour un procureur qui n'a aucune autorité. Vous êtes folle ou quoi? À qui je vais faire croire que la criminelle a pu faire une chose pareille? Personne. La solution qui vous reste, c'est de convoquer la presse et de leur dire que le docteur Beck est recherché en tant que témoin car il est le dernier à avoir vu la victime vivante. Et qu'il n'est soupçonné en rien. On est d'accord? Il répondra à toutes mes questions. Faites pas semblant de négocier. J'ai craqué, je lui ai mis une claque. Il m'a dit de foutre le camp et je suis parti. Et c'est ce que tu voulais? Bah bien sûr que non! Bah alors pourquoi t'es parti? Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Bah fallait rester! Tu as réussi à vivre pendant 2 ans avec elle. En plus, elle attendait un enfant de toi. Pourquoi tu passes la porte quand elle te dit de partir? Mais elle me l'a demandé! Et alors? Bah j'ai fait ce qu'elle voulait! Mais non! Tu as fait ce qu'elle te disait de faire, mais pas ce qu'elle voulait. Elle voulait savoir ce que toi, tu voulais. En disant de partir, elle te demandait de rester. Et en lui obéissant, tu l'as déçu. Je comprends rien ce que vous me dites là. Bah pourtant, c'est pas compliqué. Hein. Vous êtes qui, vous, au fait? Le père d'Agnès. Qu'est-ce que je dois faire? Mais j'en sais rien, moi. C'est toi qui l'as enlevé, c'est pas moi. Vraiment, je te comprends pas. Ça commence comme dans un western de John Ford et à la première Annie Croche, tu flanches. Allez, bouge-toi, mon vieux, là, trouve une idée. Et si je vous prenais en otage? Qui ça, moi? Mais ça n'a aucun rapport. Bon, bah, je sais pas, alors.